en mode j'étais tranquille et tout, ça m'envoie ça. Moi, franchement, je vais dire un petit truc. Attendez, je désactive les commentaires. Attendez. Franchement, je vais dire un petit truc. Clairement, c'est pas de notre faute si ton son, il est vraiment claqué. Au sol, au sol, au sol, à terre, en l'air, où tu veux, je m'en fous. J'avais jamais critiqué ton son. Dis-toi, j'ai entendu juste le slap slap. Bref, il est claqué au sol, ton son, c'est réel, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. On a le droit de penser ce qu'on veut, liberté d'expression. Bref, même ton freestyle, j'en parle même pas. Je l'ai écouté à la cantine, j'étais en train de vomir. Bref. C'est claqué, c'est claqué. Mais, genre, de base, j'ai jamais parlé de toi. Enfin, je sais pas, même, je sais pas, mon blaze, il sort d'où. Enfin, j'étais. Genre, je m'en fous de ta vie, genre. Je sais pas, mon blaze, il sort d'où. Enfin, de quel droit t'oses venir parler de moi toujours? En plus, le pire, c'est que tu me tues. La seule référence que t'as dans la baise avec moi, tu parles que du V. Genre, je sais pas, t'as quoi avec lui. Genre, t'as mal baisé ou c'est comment, je sais pas. Ma gueule. Bref, je sais pas. J'ai juste envie de vous demander un truc, s'il vous plaît. À toi et Cartel. C'est juste, hein. Évitez de parler moi. Évitez juste de parler de moi, s'il vous plaît. C'est le seul truc que je vous demande. Que je sois éclaté au sol, ce que tu veux, je m'en fous. Franchement, que tu me trouves moche, c'est pas un souci, ça me dérange même pas en soi. Je préfère être moche que te ressembler, clairement. Je m'en fous. Et Dieu merci qu'il m'a rendu moche et que je te ressemble pas. Parce que si on m'aurait dit de choisir entre être moche et te ressembler, j'aurais dit être moche, à vie. Je préfère avoir cette tête-là que te ressembler, clairement. Wesh, ma gueule, t'es une maman, t'es une 9-6, ma gueule. Tu viens faire des lives sur moi, wesh. Hey. Wesh, ma gueule, je sais pas si tu vas percer. Peut-être tu vas percer avec tes sons. Mashallah pour toi, carrément. Même s'ils sont archi claqués, clairement. Mais genre, normalement, t'as pas mon temps. T'as pas le temps de venir parler de moi. Genre, vraiment, t'as vraiment pas mon temps de base. Je suis une meuf qui va à l'école, qui essaie de gagner sa vie légalement. Je fais tout pour avoir, en dehors d'une vie des réseaux, avoir des bons diplômes, rendre fiers mes parents. Pendant que toi, tu fais des sons claqués, des clips claqués au sol, au lieu de chercher un travail à Pôle emploi, t'inscrire. Ou je sais même pas repasser ton bac, je sais même pas si tu l'as eu carrément. Genre, je sais pas, fais ta vie, je fais la mienne. Je parle pas de toi, je m'en bats les couilles de ta vie. D'où tu viens parler de moi, genre, je comprends pas. Je sais pas, vous avez quoi à parler de moi? Je vous cale à archi ni d'Adam ni de Ève. Enfin, je m'en fous de votre vie, genre. Vous êtes connu sur les réseaux sociaux, vous vous sentez plus, genre. En mode, les réseaux sociaux, c'est votre vie, genre. Ma gueule! Et fait quelque chose de constructif dans votre vie à part les réseaux sociaux. J'ai beau m'appeler KBD, être claqué au sol comme tu dis, ne pas avoir des DM de rappeurs dans mon truc, et encore heureux que j'ai pas de DM de rappeurs dans mon Instagram, ça, en soi, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais, genre, s'il vous plaît, genre, arrêtez. S'il vous plaît, je veux pas de problème, je vais à l'école. Je fais ma vie, faites la vôtre, continuez vos vies sur les réseaux sociaux comme vous voulez, arrêtez vos études, c'est bien pour vous, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans vos histoires, s'il vous plaît, je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux surtout pas, je veux pas être mêlé à votre vie à vous, genre, votre vie d'artiste qui est une vie, franchement, je sais même pas si on peut appeler ça une vie d'artiste, wesh. Je sais même pas si un jour vous allez réussir à faire un feat avec quelqu'un de connu tellement c'est une vie d'artiste pété, frère, je sais pas. Je m'en fous. Même si ta soeur, elle va sortir un son, ça c'est ton souci, Masta. C'est ton souci. Sortez autant de sons que vous voulez, mais juste ne me mêlez pas à vos histoires. C'est bon, tu t'es battu avec moi, t'as eu tes 100K, tu te sens plus, ma gueule. Fin d'histoire. Fin, ma gueule, c'est bon, t'as des perruques à perpétuité, que t'arrives même pas à prendre soin, fin d'histoire. Je veux pas savoir. Tout le monde te critique, même les gens, ils viennent me parler de toi tous les jours. Je cala même pas, je dis juste arrêtez de me parler d'elle, s'il vous plaît. Quand vous faites un live, oubliez que j'existe carrément. Faites comme si j'ai jamais existé. Genre, ne sortez même pas mon blaze. Si je suis claqué, heureusement, je suis claqué.
Dieu merci que je sois claqué si tu veux. T'as capté ou pas? Slap, slap. Est-ce que tu captes le délire? T'as capté? Je suis claqué, tant mieux que je sois claqué. Dieu merci. Franchement, je remercie Dieu de ne pas te ressembler pour de vrai. Je suis KBD à ma manière. Je suis comme je suis. S'il le fait, il dit que je suis claqué au lui. Ah, ok. Je vais pas trop parler parce que ça sert à rien de sortir des détails pour faire la meuf crier. Après, ça sort des débats. J'ai pas envie. Si t'as vraiment dit ça, ok. Bref, c'est ça, c'est. En soi, c'est ton souci, t'as vu? Ça, c'est votre souci. Que t'as des rappeurs en DM, alors là, c'est encore moins mon souci. Je m'en fous. C'est pas les rappeurs en question avec qui tu vas baiser ou je sais pas quoi qui vont me donner l'argent pour m'habiller ou pour aller me coiffer ou pour aller je sais pas quoi. Tes rappeurs que, comme tu dis, que tout le monde regarde, on écoute juste leur son, on s'ambiance dessus, fin de l'histoire. Après, il y en a, elles vont forcer à baiser avec eux, ok, tant mieux. Mais après, c'est quoi le délire? C'est comment? Moi, je m'en fous, personnellement. C'est bien. T'as des perruques et tout. Ouais, on dirait que tu peux pas t'acheter tes perruques toute seule. Ah oui, c'est vrai, tu les volais à Château d'Eau à l'ancienne, j'avais oublié. Franchement. Frère. Franchement. Mais moi, tu vois, il y a des trucs, tu vois, que tu dis, genre, ça a aucun sens. À l'ancienne, t'achetais presque pas tes pépés, tu les volais à Château d'Eau. Tu courais, tu mettais des gâteaux inside, frère. Ma gueule, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai. Genre, moi, jamais tu vas me dire, ouais, KBD, t'as déjà volé une pépé. Parce que déjà, j'en mettais presque pas à l'ancienne, j'avais que des dégradés, ma gueule. Je voulais même pas laisser mes cheveux pousser. Genre, sur ça, t'as rien à dire. C'est maintenant t'es devenue, on va dire, fraîche, en gros. Alors que voilà, moi, j'ai jamais cherché à être fraîche du ouf. Fraîche merde. Non, mais voilà, je sais pas. Parce que comme toi, t'es plus Merde. fraîche que tout le monde, n'est-ce pas? Vu que toi, t'es la fraîcheur incarnée. Ha. Vu que tout le monde est claqué au sol pour toi. J'ai beau être claqué, moi j'ai jamais cherché à être la plus belle du monde, à dire ouais je suis plus belle que ceci, cela. Je suis comme je suis personnellement et voilà. Et ma gueule. Et t'es une. Je sais pas quelle année, t'as un enfant. Au lieu de chercher la solution pour récupérer ton enfant, tu cherches la solution pour détruire encore ton image, que pour quand ton enfant elle grandit, c'est déjà ah, c'est ma mère et après tout le monde rigole sur l'enfant. Non. Tu devrais nous montrer l'exemple. Non. Toi, tu fais tout pour que. En plus, le pire, tu traînes même pas avec des gens de ton âge, tu traînes que avec des mineurs en mode tu veux tous les emmener au paradis, mais c'est un enfer. Ma gueule, c'est pas comme ça. Genre, après, moi, je m'en fous de ta vie en vrai, hein, je m'en fous de votre vie. Alors, cartel. Cartel, j'ai même pas les mots, toi aussi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et faites votre vie sur les réseaux sociaux comme vous faites d'habitude. Et me cassez pas les couilles, s'il vous plaît. Je m'en fous de vos vies, clairement, en vrai. C'est juste que les gens m'ont envoyé un petit live. Vous êtes en train de faire tout le monde. Je suis pour un son. Les gens, ils ont le droit de dire que ton son, il est claqué. C'est pas un truc de ouf. Enfin, en soi, il est vraiment claqué, je sais pas. Mais. Enfin. Si on trouve claqué, il est où le souci? Enfin, je sais pas. Genre, tu dis, Madly, elle est pas fraîche. Mais Madly, elle est archi plus fraîche que toutes tes copines de ta bande réunie, genre. Il n'y en a aucune qui est fraîche. Il n'y en a aucune que vous arrivez à la hauteur de Mali. Et surtout pas toi, Bulma. Alors là, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Toi, tu veux être Madly, même avec les cheveux en pétard. Madly, elle est plus fraîche que toi. Parce que toi, déjà, tes cheveux, on n'arrive même pas à presque à faire des nattes collées. Wesh, tu fais des nattes collées, ton crâne, il part en arrière. Bref, je parle pas trop. Mais. Genre, en fait, j'ai même pas envie de te charrier. Ça sert à rien, les trucs comme ça. Genre, continue à parler sur moi. Il n'y a pas de souci. En vrai, continue. Continuez si vous voulez parler sur moi, continuez. Mais juste, je ne veux pas entendre mon nom dans vos bourbiers. Moi, j'ai pas envie de m'afficher encore avec vous. On va se retrouver en bas de chez vous. Vous allez faire les chouchottes à dire ouais, rentre dans le bâtiment pour qu'à la fin on se retrouve dehors. Pff, je veux plus de ça. Parce que moi, je vais vous dire un truc français, regardez. Je vais plus trop parler. Là, je parle plus parce que demain, moi, j'ai cours. Comme je suis une enfant modèle, hein, malgré que je fais des bêtises, je vous montre l'exemple d'aller à l'école, les amis. Pas l'exemple de se retrouver à la rue plus tard. Bref, écoutez-moi. Envoyez-lui le message. C'est Dieu qui donne les messages. Comme Dieu a des messagers, envoyez-lui celui-là. Écoute-moi bien. Bulmaz, alias Emmanuel, alias Nissi, alias je sais pas qui. Il y a un jour, moi je vais même pas te taper. Hein. Je vais te tirer dessus ou je vais te faire une dinguerie, je sais pas. Que là, mes nerfs ils sont pas montés. La première fois qu'on s'est truqué, en gros, en fait, voilà.
En soi, j'étais pas vraiment si énervée que ça parce que je pensais à ta fille. Je m'imagine là si je t'aurais tué ou un truc comme ça, ta fille elle serait devenue quoi? Je suis gentille comme personne quand même, non? Je suis très gentille. T'as capté? Mais je te jure, comment je suis matrixée dans ma tête, il va t'arriver une dinguerie. Alors toi, cartel, franchement, je sais même pas. Parce que toi, t'es celui qui parle beaucoup sur les réseaux, mais en vrai, tu fais rien du tout, ma gueule. Quand je suis venue me taper, t'es venu taper la discute. Donc arrête de faire le mec. Enfin, ça m'énerve, je sais pas pourquoi vous faites ça en fait. Je sais pas, en parlant de moi, ça vous sert à quoi? J'ai 23 000 abonnés, vous êtes à des 100K, vous vous abaissez à moi. Il y a des gens plus importants que moi dans la vie. Adressez-vous à des personnes qui vous avantagent plus niveau abonnés, genre avec qui vous pouvez bien buzzer, qui vous fait bien monter, et un jour vous allez vous faire bien enculer encore mieux, t'as capté ou pas? Mais genre, s'il vous plaît, moi, je veux vraiment plus entendre mon nom dans vos histoires, s'il vous plaît. C'est le seul truc que je demande. Parce qu'un jour, je vais être matrixée, je vais aller chez un grand à moi ou je sais pas, je vais prendre une arme bizarre et je vais aller en prison à cause de vous bêtement et je n'ai pas envie. En fait, me salir les mains pour vous, c'est déjà trop. Même parler pour vous, c'est du gaspillage. Mais en soi, j'ai pas envie d'insulter les gens ou j'insulte personne. Franchement, voilà. Bulma, elle aime bien beaucoup parler, vu que sa bouche, elle est pimentée comme Aloro, il y a l'éloquent pimenté qu'il y a à l'intérieur. Franchement, voilà. C'est du Bulma, on sait tous, t'aimes bien blablater sur les réseaux, vu que les réseaux sociaux c'est ta nouvelle maison. Tu critiques la maison des gens, t'es jamais rentré chez moi. T'es rentré à quelle heure chez moi? T'as jamais mis mon pied dans ta. T'as jamais mis ton pied dans ma maison. À quelle heure? On n'a jamais mis les pieds chez toi. Donc t'as pas à critiquer ma maison, je n'ai pas à critiquer la tienne. Moi et toi, on n'a pas la même vie et heureusement qu'on n'aura jamais la même vie. Je n'aimerais pas avoir ta vie, t'as vu? J'ai beau être ce que tu veux, moche ou je sais pas quoi, mais j'ai de l'avenir. Toi, si tu crois que ton avenir c'est les réseaux sociaux ça te monte à la tête, ma gueule. Il y en a, ils font les réseaux sociaux, mais ils ont quelque chose à faire à côté. Moi, toi, tu fais rien de ta vie, frère. Tu te réveilles chez toi, 14 h, tu te réveilles. Enfin, je sais même pas si tu te laves, parce qu'à ce qui tu te laves pas, c'est pas moi qui l'a dit. Mais voilà, quoi. En soi. Mais tu parles l'état de la chatte de Madly? Et la tienne, c'est comment? Elle a dit, elle aimerait voir. Ha! Madly, elle a que baiser avec celui qu'on sait Ah! tous. J'ai Non, pas de écoute. justification. Il faut Non, qu'elle vienne voir. écoute. Moi, j'ai touché la Elle semaine a baisé dernière. qu'avec une seule personne, pendant que toi, t'es à baiser avec je sais pas combien de personnes. Je crois que t'as fait. Non, je sais même pas si t'as fait le tour de la. Je peux même pas critiquer, je sais pas, j'ai jamais vu ta chatte, j'ai Mon pas trou, envie il de la est voir. plus petit que tes yeux. Mais en tout cas, voilà. Tu peux pas parler de la chatte de Maddy parce que Maddy elle a baisé qu'avec une seule Dis-le personne. encore, j'ai dit Et mon trou six est fois. plus petit que ses yeux. Six Dis-le fois. encore, Six fois. Six imbécile. fois. Je compte même le nombre de fois qu'elle a baisé avec cette personne. Six Ah, fois. c'est bon qu'à vidéo, T'as ouais, c'est rien bon, à c'est bon. dire. T'as rien à dire sur la chatte à Maddy, tu n'as rien à dire. Mais maintenant montre la tienne pour voir. Il faut montrer la tienne. Parce que Son tu cou, il parles est de la plus chatte des gens. pelé. Moi, franchement, j'ai rien à dire. J'ai jamais vu ta chatte, je peux pas parler. Je peux pas savoir, mais voilà. Dis-le, on fait des nuits, y a rien. Ouais, franchement, si tu veux qu'on t'envoie, moi je Y t'envoie. a Hein. Dans rien. ma story privée, j'envoie ma chatte. Donc franchement, je peux te l'envoyer aussi, ça me dérange pas, mais voilà. Juste, voilà. Moi, mon nom, personnellement, je ne veux plus Moi, l'entendre. je coupe un Juste peu ça. Tiens. Moi, je vous laisse. M'a dit Vekuma. Quand je vais lire juste un peu les commentaires. Ouais, franchement, flemme. Ouais, flemme. Les gens comme ça, flemme, franchement. Wesh.